salut YouTube, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Vibe le Noob. Aujourd'hui, petite vidéo en BR, toujours sur la série Level Up, on essaye de progresser ensemble, de faire le moins d'erreurs possible, en tout cas d'éviter d'en faire parce qu'on n'en fait jamais aucune, c'est impossible. Mais voilà, essayez d'être de plus en plus tactique, de plus en plus précautionneux et de prendre l'avantage en fait sur ces fights avant même qu'ils aient lieu. Vraiment se donner l'avantage pour prendre des easy kills parce que en vrai, moi, tu vois, j'ai pas un skill de ouf et je préfère arriver dans le dos des gars et leur mettre des petites bastos comme ça. Les easy kills, c'est... Ouais, moi, c'est... Le tueur d'AFK, on peut m'appeler, bah, je... Pas de soucis, je prends. Voilà, si vous n'avez pas vu les autres épisodes de la série, je vous mets le lien, hop, par ici. Avant de regarder la vidéo, voilà, petit appel au like, au commentaire, au partage, à l'abonnement si c'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir, et je t'embête pas plus, je te laisse avec la vidéo de gameplay. On est parti pour un petit bear en solo. Toujours sur la série Level Up. Y a des gens. Y a des gens. Qu'est-ce que je peux jouer? Ah. Y a la scav qui a pas été faite. Oh. C'est pas ça que je voulais ramasser, mais. Il m'a jamais entendu, lui. Il m'a jamais entendu. Il était en train de faire ses courses. Tranquillement. Devant le... devant son coffre. Il disait, je prends le lance-roquette ou... La Kalash. Lance-roquette... Non, c'était pas une Kalash, c'était une... Une Gatling. C'est étonnant, bonne yard. Et la loupe, il n'y a personne qui l'a prise. C'est vraiment étonnant. Écoute, tant mieux. Hein. Écoute, tant mieux. J'arrive pas à sauter ça. J'aimerais bien savoir où est-ce que t'as été faire l'armée, toi. Ça me... Ça m'intéresse. Parce que vraiment... normalement, passage d'obstacle, c'est obligatoire. Hein. Et ne pas savoir sauter un truc qui fait... Voilà, c'est la fête. Hein. On va l'utiliser. Hein. Vous connaissez maintenant, c'est Level Up. On laisse rien... Oh, méchant. En vrai, je vais aller chercher mon largage déjà. Et oui, il y a déjà des gens qui ont le largage parce que j'entends des tirs en silencieux. Enfin, des tirs qui n'apparaissent pas sur la map, donc ils sont a priori en silencieux. Hein. On va pas s'attarder. Une petite astuce quand vous jouez le capteur cardiaque, c'est que au premier balayage, si vous voyez pas de chiffres en bas, vous savez d'avance qu'il n'y a personne qui va apparaître sur votre capteur. Donc vous n'avez pas besoin de le garder dans la main tout le long du balayage. Ah. Il savait aussi que j'étais là. C'est peut-être lui qui avait chopé le drone. Il avait déjà... Non, il n'avait pas encore son largage. Dommage pour lui. Comme quoi les gars... Encore une fois, hein, je dis, surtout quand vous jouez en solo, faites profil bas, ne pétez pas des fenêtres comme ça, ça donne tellement l'information aux gens. Enfin, je savais où est-ce qu'il était avant même qu'il arrive. Ah, c'est pas un bon move, ça. On demande un survol de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Un mec là-bas. Un mec qui est au shop. Il va foutre. Ah putain, il m'envoie sur le mec qui a. Il est probablement en train de camper. Il y a un mec à ce shop là aussi. Est-ce qu'il est dans le bunker? Silence de mort, c'est trop fort pour être laissé. Avant de vous envoyer un, moi je vous recommande quand même de prendre, hein, même si vous avez autre chose. À part si vous êtes en galère de plaques et que choper une boîte de plaques, mais... On avance. Non, nous confine. Ah, je le vois. Largage tactique allié imminent. Oh.
J'irais bien aller chercher fantôme. Où est-ce qu'il est? Je sais pas ce qu'il fait. Ah, il s'est mis dans le bat. Il s'est mis dans le bat. Il est au-dessus. Tu n'iras pas, je sais pas où est-ce que tu voulais aller, mais tu n'iras pas. Bon, j'aurais pas gagné de thunes sur toi, mais enfin si, un peu quand même, puisque t'avais de l'argent. Ok. La Phara, j'aime bien. Franchement, elle tabasse fort. On va se reprendre un drone. Ah. Ah. Que fais-tu toi là-bas? Est-ce que tu serais pas un retour du goulag? Peut-être, peut-être. Je le vois pas. C'est trop risqué d'aller le jouer, c'est un énorme open field. Je vais voir la prochaine. Je suis dans la zone, je peux peut-être aller jouer ça. Pour avoir un peu d'action. Parce que j'ai fait 3 kills. Il reste que 36 joueurs. J'ai normalement plus Boneyard en termes d'action. Il devrait y avoir ce qu'il faut. Hein. J'ai croisé 3 gars quoi. Et encore, j'ai dû aller les chercher avec des primes quoi. Les mecs sont pas très joueurs. Hein. Ah 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 ah. J'ai pas le temps de voir. J'ai vu les tirs, mais j'ai pas le temps de voir. Identité de la cible mise à prix confirmée. Ah bah tiens. Occupez-vous d'elle. Il a la hauteur, ça va être compliqué. Hein. Il est en train de bouger. En vrai, s'il est en haut, je peux peut-être le prendre à revers de l'autre côté là. Parce qu'il y a une tiro sur la gauche de Airport. C'est un peu dangereux quoi. Parce que si, il suffit qu'il tienne la ligne. Et en fait, jamais, en fait, je peux monter, quoi. La tiro là-bas, là. Il est sur le top, hein. J'aurais peut-être dû jouer un... Salut, mon pote. Salut mon pote, tu ne mourras pas avec ton bouclier. Il m'a tellement fait flipper. Il y a une frappe. Il y a une voiture. En vrai, je pourrais envoyer la frappe. C'est marqué. Envoyez la sauce. Et attendre. Plus, faut pas que je meure. Il est là. Il va tenir la ligne, je vais être niqué. Là il doit tenir la ligne de ma tiro. Il faudrait qu'il aille de l'autre côté. Il est vraiment en bas de la tiro. Enfin, en haut de la tiro. Il campe la tiro, hein. Il sait que je suis là. Hein. Ah, j'ai cru que c'était sa tête qui dépassait. C'est vraiment un grand joueur. Hein. En peur de tiro. On va pas le contester, hein, ça sert à rien. Ça sert à rien. On va aller prendre une autre prime. Juste pas qu'il nous redonne la même. Oh tout du coup lag. J'ai pas les meilleures primes moi. Je me fais troller la gueule. Hein. Il reste plus que 19 joueurs. Le rythme va se ralentir. C'est abusé, c'est abusé. Oh, du goulag le mec? Ou pas? Je pense que si. Hein. Enfin, je vois pas ce qu'il ferait par terre.
Je sais pas pourquoi le ping est là, mais... Ouais, c'est sûr, 100% il y aura trop du goulag. En plus, il se montre même pas, hein. Il essaie même pas de jouer les gens, c'est juste, il campe dans la tour, quoi. C'est pas ma cible de tout à l'heure, là. Je sais pas si j'ai un moyen de... de monter. J'avoue que je connais pas très très bien... Il doit être top airport. Ben non, ça doit être le mec de tout à l'heure. Hein. Ça doit être le mec de tout à l'heure. Hein. J'aimerais bien le prendre à revers, monter là-bas. Je pense que je suis en train de me diriger vers... vers celui qui a ma prime. Je vous avoue, je sais pas comment on monte. Je sais pas comment on monte. Non, c'est pas le bon chemin. C'est potentiellement le mec en voiture qui a ma prime. Attends, je sais pas où est-ce qu'il est. Il y a un laser. Il veut un laser. Le mec ici. Ok. L'ennemi a perdu votre trace. Tout va bien. En vrai, je suis pas au mieux. 28 mètres. Peut-être juste au-dessus. La campouse. Ah ça, on savait qu'il y avait un mec au-dessus. Il y a aussi un mec en dessous apparemment. Un mec en dessous. Il va être là. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. What? Quelqu'un est passé par ici. Ok. Ok, ok, eh. Hey. Level up, les gars. On joue safe. Il reste un mec au-dessus de airport. Va falloir le déloger avec une frappe quand il aura plus le... quand il aura plus le choix. On la joue safe. Hein. On essaie de jouer la win. Il reste plus que 3 mecs. Il reste plus que 3 mecs. Avec un mec sur le top. Potentiellement un mec dans l'avion. Il y a un mec là. On va l'avoir lui. Hein. Il va devoir sauter, il va se faire niquer. C'est marqué, envoyez la sauce. Ici Striker 3-1, bien reçu. Frappe imminente. Allez. Allez, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Pouh, top 1, mon frère. Level up, la série qui nous fait progresser et qui fait qu'on est beau gosse. Voilà, c'est comme ça. On est de plus en plus stratégique. Malgré tout, on essaie de jouer le kill quand même. Hein. On essaie de jouer les primes à chaque fois. On a fait un spawn à Boneyard. On n'a pas croisé grand monde. On sort quand même le top 1. On a fait des beaux kills et... la Phara, les gars, c'est validé de fou. Propre, propre. J'ai pas beaucoup joué au quart, mais je voulais pas prendre le risque de rater mes trucs, surtout que là j'étais vraiment près du top 1. Donc non, cool. Premier top 1 sur le Verdansk 1984. Beau gosse, je suis content. Level up, les gars. On devient un peu moins noob. Voilà, c'est tout pour moi les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on n'oublie pas le like, le commentaire, le partage, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Je compte sur vous les gars, on se voit sur la prochaine.